Salut les mecs, on est chez Mathis, vous voulez cambrioler voilà les portes. Non arrête, arrête, vas-y, mais tu as fait cambrioler, je t'ai enfilé en plus. Donc là on a un nouveau dans l'équipe aujourd'hui, Stéphane, présentation. Fais gaffe, avec ta clope tu vas allumer le... Tu... Oula, non. Alors Mathis, gros t'as pas des plus gros calepieds, t'as des pieds de nain gros et t'as des calepieds Regardez la taille de ce petit, il roule en 4... Wesh, ça va gros? Ouais, il casse tout. Et viens, on surgit. Non. Ma mère et tout, y'a ma soeur, y'a ma famille dedans. Léo, il s'est demandé quoi? Putain, ta famille elle est grande. Wesh, gros, tu crois ça c'est dérisé? Mais non, il s'est décollé. Ah, il s'est dévissé. Je suis même beau. T'es mécanicien, Mathis? Non. Explique-nous, qu'est-ce que tu nous fais là? Bah, je suis en train d'enlever son pignon, mais. Léo, t'as pas de pince à sa clips? Non. Harry. Ouais. C'est censé rifter. Là, Mathis, on fait de la belle mécanique là. Je suis pas sûr qu'il va repartir chez lui, Jules. Mathis, il va casser le circuit, la moto elle va rester ici. Ouais, je crois. Donc le poids. J'ai pété de pièces. Tu vas faire comment? Bah, je sais pas où c'est que ça vient. Le... Tu tapes une fois sur la moto et tu s'écroules. Attendez, où? Le propriétaire de la moto, il a 12 ans. Il vient d'avoir 10 ans et il fait 1m20. Eh hey, mais lui il doit avoir les meilleures perfs gros, la moto elle le sent pas. Ça, et gros moi tu fais combien de kilos tu fais? C'est toi tu roules bien. 40. Wow. Mec, je rêve de faire 40 degrés, enfin 40 degrés. Ça, ça arrive que... Moi une tonne 6 que je pèse. Pour m'embarquer au bateau, je prends les cargos. T'as un BSR spécial toi non? Ah ouais. BSR poids lourd. Un bâtard. Stéphane il a pas de meuf donc si jamais... La Gann, il va faire le connaisseur là. Gann, faut faire ça comme ça. Gann, attends, mais je regarde quand il va péter le circlips. Mais après, il casse, on va lui en racheter un. Ouais, ouais, mes couilles sur le plafond aussi, ça fait. Aussi mais enculé, ouais, faut pas le tourner. Ça part en embrouille. Ça part en embrouille. Pimp my ride. Ok, aujourd'hui, on va mettre un putain de moteur de voiture dessus. Putain, mec, j'ai entendu t'écouter du Weshden. Je t'ai supprimé la radio. Madame, elle va sortir un truc. Je vais supprimer ta mère, ouais. Ah bon. Et me casser la tête. Le masque, gros, il y a Covid x 1000. Mais non, mais c'est mon masque pour essuyer mes trucs et tout. Tiens, regarde. Regarde. Sa moto, gros, elle. Y'a un caleçon. Ça, c'était pour aller voir Léa. Guillaume. Léa, ta soeur. Guillaume. Jules. Ta mère. Ça coûte plus cher là des trucs numérotés comme ça là. Mais c'est pas moi. Ah si c'est toi, on se croit. Mécano de Durier ici. Bah déjà c'est mieux que Durier hein. Hugo Maracor il a fait quoi? Il a posé son spirit chez Durier. Mytho. Là on est allé chez Durier là. Ouais. Mais il est trop gentil le mec. Mais ouais. Hey, les gars ce mec c'est un amour, il m'a passé des stickers. Nickel, il m'a passé des stickers mec, ma maman il y en a des. Tu l'as mis à l'endroit au moins. Léo, t'es au courant, il m'a passé des stickers. Putain, il met le pignon à l'envers, c'est plaisant. Ouais. Mal. Casque de vélo 100 euros. Et de moi, tournevis comme ça. Des gants, mais plus des gants. C'est même pas des Fox, frérot. Il dure ça. C'est des Fix. C'est des Wish. Non, je crois que c'est des Five. Si, c'est la marque Five. Gros, ils vendent ça quand même 35 euros. À ce prix, gros, t'achètes directement des. Qu'est-ce que tu nous racontes, toi? Donc là, Mathis, il fait de la belle mécanique. Putain. Il va rouler plus vite là avec ça? Bah ouais, 3000 chevaux là. Putain. Oh, je sens il va pas repartir chez lui. Et ta prof là, tu dois pas te pointer en cours là encore? Oh merde, c'est vrai. Non, tu la jettes pas là la clope. Hein. Il était déjà en train de faire. Je vais te la lancer. Il y a un autre circlips derrière. Non. Ouais, c'est normal, c'est pour pas qu'il aille au fond. C'est pour pas qu'il bouge le cul. Faut que. Antoine. Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous zoom et tout. On dirait pas une clé à cliquer. Stéphane, il y a rien de se demander quoi. Attends, tu le vas, tu me fais un bout de bon en fait. Ok, ça c'est de la mécanique mon gars. La cocaïne. Prends ça. Elle travaille actuellement sur une moto qui va jamais sortir du garage. Travail de bronchinole. Un fou, elle dort pas chez moi ce soir, il va la pousser sinon. Ouais, moi je vais pousser, je vais dormir. Oh bordel, attendez, reculez mec. Tu la mets là. Jamais vu un garage aussi petit. Attends. Mec, t'es merde. Oh vas-y, oh il comprend rien, vas-y. Tu fais oh. Qu'est-ce que tu nous fais? La moto? C'est du grand n'importe quoi là. Je sens que tout va se casser la gueule. Bonjour Justine, tout veut. C'est qui a fait ça? Je sais pas gros. Tu l'as en vidéo toi? On verra c'est qui a fait ça. Oh Samza! Il y a ma soeur espèce de. Et c'est Stéphane qui a fait ça, c'est pas il a mis un coup, frère. Il a fait un coup. Il a mis un coup, on a perdu Julien la moto.
On voit que la pièce elle a été cherchée chez le fermier du coin. Non, la vie de ma mère ça va du champagne. Là les gars, je suis sur une pince multiprise comme beaucoup de femmes. Merde, pardon. Attends, seigneur. Mais Dieu. Tout va se casser la gueule. Hein. C'est obligé, moi je l'avoue. Je suis sûr que Jules il est pas serein en fait. Téma, ça c'est un boulon. Déjà, quand moi, quoi ah bah, qu'est-ce qu'on peut faire les... Aïe. Putain, je viens de bouger le truc. Bougez vite, non. La moto, les gars. Ah, la moto, elle tombe plus, mon copain. Tiens la roue, t'inquiète, elle va se barrer. Eh, par contre, la roue. C'est pas grave, c'est la roue. Tiens. C'est pas grave. Pourquoi t'as regardé les voitures là? On est sur une moto, on est pas sur une 206. C'est pas grave, c'est rien, c'est la roue. C'est la rue. C'est la roue avant le rat. Oh putain. Vas-y, pose. Non, elle est penchée. Mais non, c'est normal qu'elle est penchée. Laisse-la, vas-y. C'est un levier de qualité. Mais vas-y, lâche. Si elle tombe. Bon, allez, décale, gros sac. Bah, allez, gros, je suis un gros, vas-y. Il y a des clés chez le genou là. T'as dit quoi? Il y a des clés chez le genou. Clés chez le genou. J'ai déjà mis des roues arrière. Mais ça, vous venez nous aider, ouais. Un coup de rein, mets-lui un coup de rein. Non, il va s'envoler le con. Il va se retrouver la gueule dans le pare-brise. Même si on a quoi. Pare-brise de quoi? Il n'y a pas de voiture. Mais oh, j'ai froid dans le. Viens, mon sort Junior. Non, tiens, Junior. Toi, je sais que tu kiffes mon cher, mais dans le cul, non? Ça va ou quoi la tronçonneuse? Non, mais sérieux. Monte dessus. Car c'est fait, un pied, elle est. Déjà, elle craque, c'est un bon. Ramasse, mets tout là-bas. Arrête. Ah, il y a son pneu. Merci, frérot. Non, ramasse tout, mets tout là-bas. Il y a des. Ah. Je viens de me prendre ça. Et jamais repart chez lui. Ah non, tu lèves la roue, bon. Mets le truc là. Voilà. Non, arrête. Pardon. Tout doux, wesh. Comment elle est mise la moto? Juste recale. La moto elle est comme ça. On sait même pas sur quoi elle est posée actuellement. Alors les pas sur mais gros, Jules, toi en dessous, à 4 pattes. Ça lève moto. Allonge-toi, tu vas faire la caisse. Attends, là il y a toutes ses parts, ça prend la. Vas-y, tiens-le. Avec moi. Ah mais gros, je sais pas. Il la tient pas, il repose dessus là. Attends, moi t'as pété les uns. Ah, c'est vrai que quand je pète, ça pue l'essence, mon gars. Putain, regarde la circonférence. Lucas, il marche au gasoil. Trouve pas qu'ils se font dans le décor. Ils sont martis, déjà, on s'en bat les couilles des sons de métro. Tu fais une petite mise au point, il y a moyen, on voit plus, on voit que ça t'es. Sans le montre. La vie de ma mère, Jules, je vais te laisser comme ça, tu vas rentrer à ta case. Ah yes. Ouais. La roue arrière sur ton dos. Wow. Arrête, gros, c'est mouillé. Arrête, gros, dégage. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous retrouvons Mathis, un jeune débutant dans la mécanique. Aujourd'hui. Eh, descendez la moto un petit peu. Ouais. Ok. Non, arrête. Attends, tu es prêt. Descendez la moto, elle a pas de roue. Elle va descendre plus bas que prévu. Encore un petit peu. Michel, là, il est en train de souffrir, lui, la vague, il souffre. Tiens, regarde sur quoi je tiens, frérot. Le genou, tu le genou. De tenir. Le genou, il fait tout dans cette vidéo. Putain. On va le sponsoriser. Mais non, c'est rien, c'est un bouchon. C'est rien, c'est la rue, allez, mais. Mais vas-y, remets-le. C'est la rue avant le rap, négro. Des couilles, ça s'achète fort, mon gros. Elle a vie de ma mère, j'ai trop mal. Qu'est-ce qu'il y a? Et ça remet le compteur au moins. Bah non, encore. Il est mort. Il est net, comme ça. La vie de ma mère, je vais taper le marteau comme ça. Vas-y, voler la joue. Là les gars, on est mal barré. Hein. En fait, c'est un courant de. Comme dirait mon père, l'équipe aïe aïe aïe. Mais Jules, il est paniqué, c'est pas s'il va rentrer chez lui. Mais Jules, là, il y a qui va rentrer chez toi, sinon mon père va te ramener en camion, gogo. Un camion. Au genou. Mais hey, tu fais quoi à faire des. Non, mais par contre, si t'as monté, tu fais ça, tu vois. C'est pas un. Enlève la roue. Les gars, là, c'est pas moi qui fais va-et-vient. Hein. Oh putain de merde. Enlève. Oh. Excuse-moi, j'étais en train de bader. Ouais. Net. Attends. Ah, je crois qu'il faudrait peut-être que tu l'enlèves avant qu'il mette la roue. Ouais, en fait, faut que je. Voilà. Allez, mets-le. Il est quelle heure, Léo? Vas-y, mon grand. 16h30. Vas-y. Non, mais là, faut qu'il la pose. Allez, comme ça. Et moi, je connais pas la roue du retour. Ah, là, je l'ai jamais vu. Mathis, il chuchote là. Il y a un truc de cassé là. Allez, Mathis, dis-nous, il y a quoi de cassé? Non, vas-y. Bah, en fait, il est blagueur. Regarde, là, Julie s'inquiète là, donc. Hein. Mais je vois rien.
Bah, ouais, moi je vois. C'est noir comme dans ton cul, bâtard. Ouvre tes yeux, ou t'as un œil. Attends, je crois qu'on m'appelle. Tiens. C'est la Sylvie. Tu fais quelque chose avec ton ta lampe torche de bras. Ton gros ventre, l'eau. Eh oh, oh. Ah, tu vas me couper le doigt, fils de pute. Voilà, cher. Ah, ouais. Attends, je te prends. Ah, je vous prends la coudron. Bip bip bip. J'arrive pas à mettre les pieds. En fait, sa moto, faut qu'on la sorte, sinon là on n'a pas de place. Et vas-y, mais non, jure. La vigne, ma mère. Dis voilà, on le fait dans le salon. Voilà, d'une fois, t'as pas mangé. Sors-le. Et la moto, il va. Attends, c'est Lucas qui la sort. Allez, on dirait que j'ai doigté Lucas, ça. Non, Lucas, il va la porter sur son dos. Ah merde. Bah ouais. Mais gros, t'as la banque vitrée. Oh, attends. Et nique ta race. Eh, je me la. Toi, Lucas. Ah, bah, tu... Vas-y, vas-y. La bavette, elle est en train de tailler de la moto, là. On est actuellement dans la moto. Mets-la sur le chiotte. Arrête, tu m'as dit ça à mon daron. Ah, ah, mon gars, m'a claqué. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Ah, décale les spirites, ouais. Vas-y, vous avez niqué l'entrée. Mais c'est rien, c'est la rue. Vous travaillez sur un mètre. T'inquiète, je remettrai une vis. Mais putain. Mais attends, vous l'avez niqué, vas-y. On roule sans dans sur mes morts, regarde. Refixé. Sur la vérité, on te met glisse à peau. Pourquoi t'as 24 Aquitaine? Et au pire, venons dans les son pot et on met un gros truc. Voilà. Mais ça sera beaucoup mieux pour faire la mécanique. Mettez le pot là. Mets une jante. T'as pas des jantes. Et tu la poses. Des jantes de spirit. Bah voilà, tu la poses sur des jantes. Oh, tu vas nous la prendre là, la jante. On le sait très bien que tu l'as vu. Eh, Mathis, t'as arraché le truc. C'est pas moi. Ça, tu mens. Mais vas-y, allez, tu crois que c'est moi, hein. Putain, t'as arraché le truc. Allez, mais je dis, t'as pas le temps. Tu m'as dit, c'est chier comme ça. Bah voilà. Si je te maîtrise laquelle? Elle est noire, trop du cul. Pas la blanche, elle a plus de genre, plus de pédé. Un rabatteur spécial. C'est ça qu'il voulait faire. Baisse hein. Et le carbure, il fuit là. Ah, mes claquettes. Lâche tout, confiance, non, confiance. Non. On l'arrête pas, la moto. Ça tient. Ça tient. Mais non, elle va. Mais non. Non, là, elle tient. J'ai foutu mon gros yacot dessus. Elle va crever. Oh putain, l'enculé, je vais lui marrer. Julie l'a le seum. Ok, Mathis, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, mon gars? C'est plus une bavette. Arrête. Lui, il vient de se faire pisser dessus sur sa jante, il vit bien. Même pas, tu nettoies ma jante, hein. Je repars pas tant qu'il y a pu la pisse de ton. Allez, on va prendre de l'eau. Et donne-moi de l'eau. T'as cru, donne ça. Deux secondes, Jules. Mais pas tellement sur la porte. Attention. Je te jure, j'essuie là la pisse et j'étale sur ta. Vas-y, ouvre la cuillère. On dirait mini SCH. Jules, c'est SCH. Il dirait que c'est dingue. C'est pour une chaîne. Pour tout ouvrage de colis, appelez-moi le dentifrice. Le dentifrice humain est présent. Oh, elle est belle, on dirait une chaîne plaquée or. Ah, gros. Mec, tu vois pas qu'elle vaut 15 000 euros. Oh, oh, oh. Bah, c'est la même. Oh, non. Elle est un peu plus grande, mon petit. Il y aura assez, là. Ouais. Faut juste... Si, tu tapes sur la roue. Ça, faut les serrer à fond. Ouais. Et faut avancer ta roue. Ok. Fais-le, je vais la faire. Mais gros, je pense que ton pull, tu pourras le jeter ce soir. Il va casser le bras aussi. Hein. Et toi, tu t'essuies dessus comme si c'était une lavette.